Pierre Domas, je vous trouve ici dans une boulangerie où vous venez tous les jours débuter la journée, prendre votre petit café. À 92 ans, qu'est-ce qui vous fait vivre encore pleinement ? Vous savez. Les souvenirs ? Bon, un peu les souvenirs, oui, mais aussi la vie actuelle. Oui. Vous suivez un petit peu ce qui se passe dans le monde, vous, en tant que... Est-ce que vous suivez ce qui se passe dans le monde ? Oui, enfin, c'est dans le journal, quoi. Oui. En tant qu'ancien enseignant, pendant très très longtemps, ici, dans ce quartier, qu'est-ce qu'on peut dire ? On est à la Guillotière, là ? Comment s'appelle le quartier, là ? Mon chat Ben, ici, c'est... Vous êtes avenue Félix Faure à Lyon 3e, dans cette... dans une école où vous êtes venu dans les années 60. Oui, j'y suis... Non, je suis venu dans cette école en 50. Oui. Et j'y suis resté jusqu'en 77. Enfin... Voilà, on voit cette école ici, là, dans la caméra. J'ai été directeur à partir de... 63, 64. Alors, vous avez quand même à 92 ans une belle expérience de la vie. Qu'est-ce que vous pouvez souhaiter pour l'année 2014 ? La paix. La paix, c'est déjà pas mal. Elle vous semble malmenée, la paix dans le monde ? Ben, vous savez, j'en ai connu des périodes où elle était malmenée, alors... C'est pas des bons souvenirs. Oui, vous êtes sorti de l'école normale en 1944. Je suis sorti de l'école normale en 1944. Oui. Donc, on sortait de l'occupation allemande ? Ben, c'est-à-dire... oui, l'occupation allemande s'est terminée à peu près en 1944. Et puis ensuite, vous avez connu la guerre d'Indochine, la guerre d'Algérie. Oui, mais je n'ai pas fait. La guerre d'Algérie et la guerre d'Indochine. Donc aujourd'hui, dans le monde, ce qui vous semble le plus important, c'est la paix. C'est la paix. La fraternité aussi ? Ben oui, c'est un peu lié. Hein. Est-ce que vous suivez un petit peu ce qui se passe dans l'actualité, en particulier en matière de racisme ? Ah ben, en matière de racisme, le racisme, il diminue pas. Hein. C'est vrai. J'ai l'impression que... Puis alors maintenant, il y a tellement d'étrangers dans le pays que... Ça n'arrange pas les affaires. Ça aide pas la situation, c'est ce que vous voulez dire. Oui. Donc pour vous, il vous faut vous souhaiter une bonne santé pour 2014 ? Vous me souhaitez une bonne santé. Vu l'âge que j'ai,